Alors Patrick Bruel-Benache a suivi vos lives pendant le confinement. Oui. Bonjour Patrick Bruel, je suis très content de vous avoir en ligne, monsieur Patrick Bruel. Et si je répète souvent là pendant ma chronique votre nom, Patrick Bruel, c'est pour que ma mère comprenne bien que je parle avec Patrick Bruel. Quand on a su qu'on allait vous recevoir dans l'émission, au sein de l'équipe, tout le monde voulait chroniquer la star que vous êtes. Parce que oui, vous n'êtes pas n'importe qui dans le paysage. Pour moi, chez les célébrités, il y a les gens connus. Au-dessus, il y a les gens reconnus. Et encore au-dessus, il y a Zinedine Zidane et vous. Les plus Fayot ajouteront Khan Roumanoff est encore au-dessus, mais j'ai jugé que c'était un peu tard dans la saison pour demander une augmentation. Alors, c'est vrai que vous avez une carrière aussi énorme qu'unique, Patrick Bruel, des tubes intemporels comme chanteur, de nombreux succès au cinéma comme acteur, champion du monde de poker. Vous avez gagné Roland-Garros 3 fois, remporté un Tour de France en pirogue. Vous avez même posé le pied sur la Lune et c'était en tongue, respect. Bref, Patrick Bruel, vous êtes Patrick Bruel. Et devant nos chamailleries, pour savoir qui allait vous chroniquer, c'est bien normal, Anne en patronne a fini par trancher en disant, je la cite, invité beau gosse, chroniqueur beau gosse, Ben H, tu t'y colles. Raisonnement logique, choix logique. Et si seulement c'était notre seul point commun, Patrick Bruel, c'est simple, si on retire votre carrière exemplaire et votre succès avec les femmes, nous sommes pareils, tous les deux. D'ailleurs, histoire vraie, Patrick Bruel, il y a quelques années, j'ai fait croire à une fille que j'étais votre fils. histoire vraie, toujours, la fille ne m'avait pas cru. J'ai réessayé la semaine d'après en disant cette fois que j'étais le fils de Michel Blanc et c'est passé. Depuis, je suis à 3 ans de thérapie sur l'acceptation de soi. Bref, vous l'avez compris, j'étais ravi d'être choisi, non seulement parce que j'étais admiratif de Bruel l'artiste, mais depuis ce confinement et vos vidéos concerts stand-up, j'ai l'impression de connaître Patrick, le bonhomme. C'est grâce à un couple d'amis complètement fans que je suis tombé sur vos vidéos. Ils m'ont dit, on a vu tous les concerts de Patrick depuis la tournée 6 ce soir en 91, mais là sur Instagram, il y a quelque chose de complètement différent des autres concerts. Alors je leur demande, c'est la proximité avec l'artiste, l'intimité du concert. Elle me répond non, c'est la gratuité du concert. Du coup, on a même pu faire un don, c'était génial. Et merci pour ça, Patrick Bruel. Merci pour tous ces lives accessibles à tous, où vous avez fait rentrer chez vous tous ces gens, dont moi. C'est hyper généreux, mais surtout, et c'est l'objet de mon message ce midi, Patrick Bruel, merci pour... Merci au nom de tous les hommes qui ne se sont jamais remis de la Bruelmania. Tous ces hommes qui disaient, entre jalousie, aigreur et admiration cachée, « Moi aussi, je veux être ce mec. Pourquoi lui? Pourquoi il les a toutes ?» Merci d'avoir montré à tous les mecs banals comme moi, à travers vos lives à la maison, qu'on est tous égaux face à l'absence de coiffeur. Merci, Patrick Bruel, d'avoir montré que tout Patrick Bruel qu'on est, on a aussi une bibliothèque Ikea Billy, comme tout le monde, dans son salon. Et ça m'a fait beaucoup de bien de vous normaliser. Et enfin, merci Patrick Bruel de m'avoir écouté ce midi. Ma mère va être super fière.